Et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc je voulais juste m'excuser pour ceux qui m'envoient des messages et tout ça. Voilà, je vois bien vos messages et en ce qui concerne les études ici en Russie, ceux qui ont reçu des bourses et tout ça. Donc, les gars, pour ceux qui m'ont écrit comme ça hier et avant-hier, essayez de m'écrire comme ça sur Telegram ou bien Instagram. Vous allez trouver les liens en commentaire ou bien en description. Parce que j'ai eu un souci avec mon téléphone et l'application WhatsApp. Donc, essayez de m'écrire via Telegram. Voilà, c'est le même numéro. C'est le numéro qui passe là et aussi Instagram. Donc, aujourd'hui, je suis là juste pour vous présenter la bourse de la Turquie, l'université COS qui a été lancée. Donc, à tout à l'heure. Et puis, je vais essayer de vous expliquer pour voir comment ça marche, les gars. Alors, donc, comme je vous le disais, voilà, c'est la plateforme qui est là pour ceux qui sont déjà... quand j'ai vu le site. Voilà, donc comme je vous le disais encore, cette bourse ne concerne pas les éléments, les étudiants de la licence, le nouveau bachelier, mais seulement que le master et doctorat. Voilà, donc ceux de la licence peuvent attendre, parce que si par exemple vous venez là, ici par exemple, ça veut dire que c'est la licence, je vais mettre en français comme ça vous allez mieux comprendre. Voilà, ça c'est la licence, c'est le premier cycle, vous voyez ici. Voilà, donc si vous venez là à la bourse, ici la bourse qui est là, c'est la bourse turque qui doit être lancée, mais c'est pas encore lancé. La bourse turque que vous connaissez, vous tous connaissez, et cette bourse là, c'est de cette bourse là que je parle. Pour la licence, par exemple, si je clique sur ce qui est là, vous allez voir que en fait la licence pour l'instant c'est pas encore lancé. Donc j'ai choisi premier cycle et j'ai fait les recherches. Voilà, vous allez voir que tout est fermé. Voilà, donc ici je choisis premier cycle et puis je lance la recherche. Voilà, vous voyez là, tout est fermé, c'est pas encore ouvert, rien n'est encore ouvert pour le premier cycle. C'est pourquoi je vous dis que la bourse c'est pour le second cycle. Voilà, donc je vais repartir directement ici. Je vais mettre par exemple master. Si c'est master, vous choisissez master. Si c'est doctorat, vous choisissez doctorat. Voilà, donc ça va dépendre de vous. Donc moi je choisis master, comme si je venais faire le master ici. Donc maintenant les éléments qui sont là, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà, et vous faites la recherche pour pouvoir voir les éléments qui sont disponibles. Voilà, donc si on vient là, vous voyez que il y a archéologie et histoire de l'art. Vous voyez que la date limite c'est quand? C'est le 1er avril 2022. Voilà, et ici aussi les études en anglais, la date limite c'est quoi? Ici c'est le 17 décembre, ici 2021, le 17 décembre. Voilà, et vous voyez un peu ici c'est déjà fermé, donc c'est pas la peine de pouvoir postuler. Donc si vous avez eu la chance que votre matière ou bien votre faculté y est déjà, voilà, vous allez l'utiliser et vous allez postuler. Mais avant tout, pour pouvoir postuler, c'est quoi? Il faut d'abord s'enregistrer sur le site ici. Voilà, je vous montre parce que vous allez voir un peu comment ça se passe. Et en même temps, actuellement, je suis en train de vous montrer comment est-ce que vous devez postuler. Et je vais faire une autre vidéo où je vais essayer de postuler en même temps que vous. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc ici, par exemple, comme ça, je reviens sur la première de couverture ici. Je reviens par exemple ici. Voilà, on était là. Donc... pour pouvoir postuler, qu'est-ce que vous allez faire? Ici c'est pour les masters, voilà qui est là. Ne cliquez pas ici. Ici c'est la bourse de Turquie, la bourse de Turquie que vous connaissez vous tous. Voilà, si vous cliquez là, vous allez voir c'est la bourse de Turquie, mais c'est pas encore lancé. Vous voyez, c'est pas encore lancé, donc c'est pas la peine de cliquer là. Voilà, donc je reviens sur ma première page. Ok, donc quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler? Je vais venir là par exemple comme ça sur comment postuler. Vous allez voir comment est-ce qu'il faut faire. Ok, donc
demande de bourse turque ici et ici aussi. Je viens là. Demande de bourse turque. Ah, celui-là. Un instant. Ici c'est PhD, ici c'est voilà, c'est là. Ok. Donc arrivé là, qu'est-ce que vous faites? Parce que tous les éléments qui sont là, arrivé là, je vais choisir Masters. Voilà. Et il fait mes recherches. Ok. Donc une fois que j'arrive là, je choisis ma faculté que je vais où je vais postuler. Biomedical Science, ingénierie avec thèse, donc je peux cliquer ici. Voilà. Et une fois que vous arrivez là, ici par exemple, ici, regardez bien, les cours commencent le 14 février 2022. Donc si vous pensez que vous pouvez commencer les cours le 14 février 2022, alors vous utilisez et puis vous postulez pour pouvoir commencer les cours en février 2022. Donc quels sont les éléments dont vous avez besoin? Voilà, voici tous les éléments qui sont là. Je vais mettre en français. Pour que vous devez viser à fournir deux références académiques, mais les références de l'employeur sont également acceptées. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez donner deux lettres de recommandation. Voilà, maintenant pour ceux qui travaillent, vous pouvez aussi donner, avoir une recommandation de votre employeur, voilà, de votre patron. Voilà, c'est acceptable. Les références ne peuvent pas télécharger de lettres de référence. Les référents existants, il leur sera demandé de remplir un court formulaire pour fournir une référence. Vous devez inclure le nom, le poste, l'adresse email de votre établissement, adresse dans la section propriété du formulaire. Bon, tout ça, ça se trouve sur le site. Voilà, quand je vais commencer à postuler, vous allez voir, vous allez pouvoir aussi. Voir comment ça se passe pour pouvoir postuler. Ici, une lettre de recommandation doit être jointe à votre candidature. Voilà. Et ici, cliquez ici pour consulter votre vidéo comment rédiger une lettre de motivation forte. Voilà, donc ceux qui veulent voir comment est-ce qu'on rédige une lettre de motivation, parce que c'est le poumon même de l'admission dans une université ou bien pour postuler à une bourse. Voilà. Et voici les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler. N'oubliez pas, les cours que vous allez faire seront en anglais, donc il faudrait avoir un test TOEFL, voilà, et ici, ou bien IBT, c'est ce que je vous disais, si vous allez sur Duolingo, vous allez pouvoir avoir ce test, donc c'est pas vraiment trop compliqué, et il faut aussi votre CV, rapport de test, ça c'est pas vraiment très important, voilà, ici, officiel, relevé de notes, de toutes les universités fréquentées. Voilà, donc je crois que après avec ça, voilà, vous pouvez y aller. Une fois que vous finissez de voir et de vérifier que vous vérifiez les propriétés de la bourse, alors vous pouvez maintenant venir cliquer là, appliquer maintenant ici, voilà, et essayer de postuler. Mais je répète encore, vous devez d'abord vous enregistrer avant de pouvoir postuler. Voilà, ça c'était l'année passée que j'avais fait ça. J'avais fait la vidéo pour vous montrer, mais cette fois-ci, vous allez cliquer ici comme étant nouveau candidat. Donc, si vous cliquez ici, je suis un nouveau candidat, vous allez voir que ici, on vous dit de saisir votre mail. Donc, moi, je vais mettre ce mail-là. Je vais changer de mail parce que je reçois trop de messages sur l'autre mail. Je répète encore. Pour ceux qui m'ont écrit sur WhatsApp aujourd'hui et hier et aujourd'hui, essayez de me réécrire sur Telegram ou bien Instagram parce que il y a un souci avec avec mon application dans le téléphone. Donc essayez de m'écrire via Telegram avec le même numéro. Voilà, ça marche. Donc ici, excusez-moi, ici je mets mon mail.
n'oubliez pas, vous allez d'abord vous enregistrer avant de pouvoir mieux postuler. Donc ici, par exemple, on me dit que nous avons envoyé un lien de connexion unique à votre adresse email. Veuillez vous rendre sur la main. Si on vous demande un code PIN, veuillez utiliser celui-ci. Ok. Donc, je vais aller sur ma boîte mail pour pouvoir confirmer et commencer à m'enregistrer afin de postuler. Donc, allons-y sur la boîte mail. Ok, j'ai reçu ce premier message. Je vais voir. Ok, je vais voir si c'est le message. Voilà, c'est l'Université Coast. Donc, je vais cliquer là. Voilà, ça me renvoie directement sur le site où je vais m'enregistrer. Donc, on m'avait demandé d'utiliser un code. Je vais voir ce code-là. C'est 4898. 4898. Donc ici je mets 4898. Ok, donc vérifions voir. Ok, donc directement vous voyez que je peux continuer. Je vais mettre mon nom ici, je vais changer de nom. Ok, la full name. Nom et prénom. Ok, le password. Vous pouvez utiliser le password qui est là, ou bien vous-même vous créez votre password. Voilà. Pour ne pas trop durer cette vidéo, je vais utiliser le password qui est là. Ainsi, je clique sur enregistrer. S'il y a un souci, ils vont me rappeler cela. Voilà. Donc, à partir de cet instant-là, voilà, vous allez commencer maintenant à postuler pour l'admission et aussi chercher à avoir la bourse pour pouvoir postuler à l'admission et en même temps à la bourse. Donc voici les éléments qui sont là, comme je vous avais déjà expliqué. Ici ça va, le mail aussi ça va. Ici je dois mettre mon numéro. Voilà, je peux mettre un numéro ici, par exemple le numéro ivoirien. Je vais mettre par exemple comme ça. Ok, donc nationalité c'est toujours quoi, Côte d'Ivoire. Si c'est en anglais, ça sera forcément Ivory Coast. Mais si c'est, je vais voir directement d'abord en anglais avant de passer. Ok, il n'y a pas d'Ivory Coast, donc ça veut dire que c'est Côte d'Ivoire. Donc je vais choisir ici. Voilà, il y a Côte d'Ivoire ici. Ok, ici I have a reference code. Ça c'est pas la peine, vous n'avez pas de code de référence. Voilà, parce que vous êtes nouveau. Donc une fois que vous vérifiez bien si c'est bon, vous pouvez continuer. Ok, si c'est, s'il y a un souci, ils vont vous dire qu'il y a un souci, vous allez partir revérifier et tout ça. Donc ici vous voyez que il y a assez de choses à faire. Vous devez, on va remplir tout ce qui est là: profil, contact, éducation, score, référence, motivation, checklist, documents et puis autres. Donc il faudra avoir toutes ces informations là pour pouvoir faire quoi, pour pouvoir mieux remplir. Voilà, donc le nom, le prénom, ça va déjà. Voilà, où il y a l'astérisque en rouge, ça veut dire que c'est important. Donc le nom, le prénom, ça va. Le numéro du passeport, je vais mettre un numéro comme ça. Ok. Donc, une fois que vous finissez là, vous venez là. Ici, regardez bien en dessous du passeport, il y a issue date. Vous allez mettre la date à laquelle vous avez eu votre passeport, l'année, le mois et le jour. L'année, je vais dire par exemple comme ça, 2021. 2021. Ici, le mois, 8e mois, par exemple comme ça. Et le jour, le 21. Ok, je considère que c'est ça. Et la date à laquelle le passeport va expirer,
vous mettez là, comme le passeport CDAO c'est 5 ans, donc je considère que c'est en 2026. Donc je mets 2026. Ici, 2026, je vais prendre 2026. En août aussi. Et le 21 aussi. Ok, donc ça fait 5 ans, vous voyez. Donc le genre d'ici, c'est quoi? C'est masculin. Et ici, le pays d'origine, quoi? Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire. Ok, maintenant, ceux qui n'ont pas de passeport, vous pouvez cliquer là. I don't have a passport yet. Si vous n'avez pas de passeport, vous pouvez cliquer ici. Vous voyez? Voilà. Et vous allez mettre les éléments de votre carte d'identité. Vous voyez? Vous allez mettre les éléments de votre carte d'identité. Voilà. Donc, mais moi, j'ai déjà un passeport. Donc, je vais pas mettre que je n'ai pas de passeport. Ok. Donc, une fois que vous finissez, ici, vous mettez votre pays de résidence. Pays de résidence actuellement. Moi qui suis par exemple comme ça en Russie, je vais mettre Russie, mais je vais pas mettre Russie parce qu'ils vont me demander assez de choses. Donc si vous êtes dans votre pays comme ça, vous mettez Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. Donc ici je vous avais déjà dit, ceux qui n'ont pas de passeport, par exemple, ils peuvent cliquer. Et si vous cliquez là, vous allez voir les éléments. Vous allez mettre ici votre numéro de la carte, c'est sur la carte que vous allez voir ça. Chez nous, ça commence par CI. Et puis, il y a assez de numéros. Voilà. Et la date de naissance, si je viens pour le master, alors je vais mettre que je suis né en 2003, par exemple. Voilà, 2003, en juin. Le 11 juin 2003. Ok, date de naissance Abidjan. Plus de naissance Abidjan. Ok. Donc, une fois que c'est on remplit cela, regardez bien les éléments qui sont en astérisque, vous devez les remplir. Donc, si vous êtes marié, vous mettez marié, divorcé, ou bien si vous êtes célibataire, ok. Nationalité, Côte d'Ivoire. Ok, ici, c'est la Côte d'Ivoire, ça c'est Ivory Coast, donc voilà, la Côte d'Ivoire. Ok, donc après ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient juste là, on vérifie les éléments en astérisque. S'il y a toujours des éléments en astérisque qui sont pas encore remplis, vous devez les remplir, voilà. Ok, après cela, qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre une photo ici. Donc, vous devez télécharger la photo depuis votre ordinateur. Donc, moi je pars dans mon ordinateur, je clique là, ça me renvoie dans mon ordinateur. Ok, donc mettez une bonne photo. Vous avez vu que cette photo là, je l'ai choisie parce que je vais juste remplir pour vous. Voilà, mettez une bonne photo ici, une bonne photo de profil, photo numérique comme sur une carte d'identité. Voilà, donc on revérifie rapidement et puis. Voilà, on voit que c'est bon. Ok, il demande à ce qu'on remplisse pour les parents. Ok, donc ici le nom de de vos parents, vous pouvez mettre, voilà, le nom de la mère aussi. Vous pouvez mettre pour la mère. Ok, je crois que ça va. Donc, on va maintenant submit pour voir ce qu'ils veulent. On dit qu'il y a encore erreur. On va le revérifier rapidement. Ici, phase de name.
Ok, il y avait ici aussi un rempli avant de passer ici. Nous sommes là, on a fini avec l'étape qui est là. Maintenant, on passe à l'étape qui suit. Ici, nous sommes où il y a contact. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplir, vous allez mettre votre rue. Voilà. Et ici aussi, vous allez mettre le numéro de votre maison. Si vous voulez, je mets en français, comme ça, vous allez vous retrouver. Parce que si je veux me mettre à tout remplir, on va pas finir maintenant. Donc, numéro d'appartement, la ville, village, province, pays. Vous mettez votre pays où vous êtes actuellement. Voilà. Et après cela, il y a priorité. Ici, cyber sécurité synthèse, voilà, ça c'était ce qu'on avait choisi. Si vous voulez ajouter encore un choix, c'est-à-dire une faculté ou bien une filière que vous voulez faire, vous allez cliquer ici pour ajouter, voilà. Et ici, arrivé dans éducation, ici aussi, vous allez commencer à mettre tous les éléments, tous les diplômes que vous avez eu. Voilà, vous allez mettre tous les diplômes que vous avez eu ici. Niveau d'études, vous allez mettre votre niveau d'études. Si vous venez faire par exemple le master, ça veut dire que vous avez les diplômes de la licence du baccalauréat. Donc ici, niveau d'études, vous mettez baccalauréat. Baccalauréat en quoi vous pouvez mettre un instant que je. Voilà, si vous avez le bac par exemple, vous pouvez mettre lycée ici. Lycée, date de début, vous mettez date de début. Nom officiel ici. Nom officiel de l'école, université ou institution, votre lycée où vous avez eu votre bac, vous mettez là. La date à laquelle vous avez eu le bac, vous mettez là. Ou bien la date à laquelle vous allez avoir le bac, vous mettez là. Voilà. Donc le nom du programme, ça veut dire quoi? Si vous avez fait un bac D par exemple, comme ça, c'est quoi? C'est biologie, géologie, vous mettez là. Un bac C. Un bac C, c'est mathématiques et physique, vous mettez là. Et la moyenne que vous avez eu aussi, vous mettez là. Vous voyez? Voilà, une fois que vous finissez, vous allez maintenant ici cliquer là pour ajouter encore le niveau d'études. Si c'est la licence, vous mettez licence en sciences ici par exemple. La date de début, vous mettez aussi la date à laquelle vous allez avoir le diplôme ici aussi. Et voilà, vous faites la même chose comme ce qui est là. Voilà, donc quand vous finissez, vous suivez. Veuillez indiquer les distinctions académiques. Le cas échéant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez été meilleur de votre génération, vous pouvez mettre ici. Veuillez indiquer le classement de la classe d'obtention du diplôme. Voilà, vous comprenez ce qu'elle a. Donc, une fois que c'est fini, vous allez mettre maintenant les notes. Les notes, ça concerne par exemple comme ça, les notes du TEFL et du ESS. Voilà, tous les éléments qu'ils veulent sont là. Donc, c'est à vous maintenant de voir ce que vous avez et vous allez télécharger pour mettre ici. Voilà, ça veut dire que si vous avez un certificat, vous pouvez mettre le certificat là. Voilà. Donc, les références, ça concerne les lettres de motivation, les lettres de recommandation. Voilà, donc nom complet de l'arbitre. Voilà, la personne qui vous recommande, vous mettez son nom complet ici. Et ici, vous mettez son mail. Parce que ils vont lui envoyer comme ça un mail. Voilà. Et lorsqu'ils vont lui envoyer un mail, c'est la personne qui va maintenant télécharger l'application pour mettre va télécharger maintenant la lettre de recommandation, mais sur l'application. Voilà. Maintenant. Si vous pensez que, par exemple, comme ça, on dit utiliser le formulaire ci-dessous pour inviter vos références à soumettre une référence. Vous voyez? Donc, c'est ici. Maintenant, ici, par exemple, comme ça, pour la motivation, vous allez écrire une lettre de motivation directement ici. Je vous rappelle très bien que c'est entre 1500 et 4000 caractères. Donc, vous devez mieux écrire la lettre de motivation. Vous devez être vraiment sûr. Et puis la lettre de motivation doit être dirigée sur la cybersécurité pour ce que moi j'ai choisi. Donc vous aussi, ce que vous avez choisi, vous devez mieux le faire pour pouvoir mieux remplir, pour qu'ils puissent comprendre ce que vous voulez réellement et pourquoi est-ce que c'est à vous qu'on doit donner cette bourse. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, la liste de contrôle. Lorsque vous allez commencer à mettre tous les éléments vers le haut ici, en contact, éducation et tout ça, vous allez voir que ici, ils vont cocher tout ici en bleu ou bien en rouge. Tout sera bien noté ici. Ça sera pas comme ça. Voilà. Lorsque vous allez mettre les éléments, lorsque vous allez télécharger les éléments doivent être bien faits. Donc, si vous dites que vous avez téléchargé, vous allez mettre ici. J'ai téléchargé, gna gna. Vous comprenez?
Et une fois que vous finissez, vous allez maintenant venir là et télécharger ce que vous devez mettre. Télécharger, relever des notes. Vous téléchargez, vous mettez ça ici. Voilà, donc c'est un peu ça. Le CV aussi. Et ici, la preuve en anglais. Et puis, les références. Voilà, donc si vous voyez que la preuve en anglais, les éléments sont en exclamation, ça veut dire qu'en réalité, c'est pas vraiment très exigé, mais c'est pas vraiment très exigé, mais ceux qui l'auront passeront. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Donc ici pour les documents, voilà, aucun document n'a été téléchargé. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez finir de télécharger tous les documents vers le haut dans ces parties-là, vous allez voir que ces documents-là vont se retrouver ici. Voilà, tous les documents que vous avez téléchargés vont se retrouver là. Voilà, et autre, ça va dépendre de la faculté. Autre, ça va dépendre de la faculté. Si vous avez choisi une bourse ou bien une faculté, il y aura des questions ici et ces questions-là diffèrent à chaque instant en fonction de la faculté que vous avez choisie. Voilà, donc c'est un peu ça. Et lorsque vous finissez maintenant, vous allez soumettre. Voilà, donc quand vous soumettez pour l'admission. Voilà, et si vous respectez les conditions de la bourse, vous soumettez en même temps aussi pour la bourse. Voilà, donc c'est ainsi. Je ne vais pas prendre assez de temps parce que si je veux tout faire, on va prendre au moins 1 heure et tout ça. Je ne vais pas passer du temps, mais néanmoins, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Tous ceux du doctorat, c'est très délicat. Vous pouvez écrire des questions en commentaire et je vais essayer de vous répondre ou bien écrivez-moi inbox, ça sera mieux. Voilà, donc c'est un peu ça, les gars. C'était juste moi de Samos Hospital. Je voulais juste vous préciser un peu et vous montrer un peu comment ça se passe. Ok, à plus, les gars.